Jacques Garelli, rhinocéros. Surgissement, non. Arrachement du monstre hors du marigot. À chaque mouvement, on craint que cette masse ne renonce à apparaître, à mouvoir le témoignage irréfutable d'un âge révolu. Inutile par la surcharge des méplats. Carapace guerrière articulée, cloutée, carapaçonnée, d'un cuir tanné mais vivant. Lenteur hésitante, de la démarche qui pousse de l'arrière-train une tête aveugle de cagoule blindée, obstinée dans sa cécité, farouchement butée, sourde jusqu'à la torpeur. L'unique corne limément, c'est un ongle impuissant, bloqué contre sa cage où l'a poussé un mécanisme hésitant. Il tourne obstinément le mufle loin de la lumière, recule pour buter de son moignon de corne contre la grille. Ferraillement, cette masse puissamment armée mais à peine éveillée touche comme le vestige ambulant d'une nature désuète et oubliée. Elle suscite quelques idées comme « Nos blindés sont plus mobiles, mieux protégés, plus implacablement puissants. » Temple assourdi où se célèbrent les mystères de la bêtise par excès de lenteur et d'aveuglement. Ainsi se promène un fragment de nature engourdie, massive erreur tâtonnante, mais préservée par l'énormité même de ses imperfections. Bastille inexpugnable et comme en dérive de l'imperfection. Bruit de corne contre le fer, sa bêtise le reprend.